Ce lundi 19 février, Laurent Ruquier s'est permis de rares commentaires sur son ancien chroniqueur Gérard Millet, accusé de dizaines d'agressions sexuelles ou viols. L'affaire a éclaté il y a près d'un mois maintenant. Gérard Millet est accusé d'agressions sexuelles et de viols. Une quarantaine de femmes s'est manifestée auprès du magazine Elle, rappelle Philippe Vandel, ce lundi 19 février, dans son émission Tout et son contraire. L'animateur a tenté de recueillir le ressenti de Laurent Ruquier, invité sur France Info pour évoquer sa nouvelle pièce de théâtre La Joconde parle enfin. Mais l'auteur, lui, préfère se murer dans le silence, et ce, pour des raisons morales, comme il l'a dévoilé à l'antenne. Laurent Ruquier sort du silence au sujet de l'affaire Gérard Millet. Jamais vous ne vous êtes exprimé sur l'affaire, et j'imagine qu'on vous a sollicité, ni sur l'affaire ni sur lui. Pour quelle raison est-ce? A demandé Philippe Vandel à Laurent Ruquier. Et ce dernier de répondre, je vais continuer à garder ce principe, jamais je ne commente ce genre d'affaires pour deux raisons toutes simples. Par respect pour les victimes présumées, je ne voudrais pas qu'elles soient choquées par quoi que ce soit que je dise, et par respect pour une amitié. Ces deux-là ont en effet travaillé ensemble pendant une trentaine d'années. Gérard Millet s'est fait un nom dans les médias, en partie, grâce à son complice qui le nomme chroniqueur aussi bien à la radio, On va se gêner sur Europe 1, qu'à la télévision, dans On a tout essayé puis On n'a pas tout dit sur France 2. Le psychanalyste de 75 ans est actuellement poursuivi en justice par l'une de ses anciennes élèves. Gérard Millet, des dizaines de victimes présumées dénoncent le même mode opératoire qu'aurait utilisé le psychanalyste. Gérard Millet aurait agressé sexuellement plusieurs femmes, parfois mineures, entre 1990 et 2004. Il y a une dizaine de jours, elle publiait une seconde enquête dans laquelle 41 femmes mettent en cause l'ex-visage du service public. Trois femmes l'accusent de viol, 15 d'agressions sexuelles et 33 autres de tentatives d'agressions sexuelles se déroulant de la même façon, après des séances d'hypnose. Des accusations que le principal concerné dément fermement sur ses réseaux sociaux.